Ouais, Mika. Ouais, frérot, regarde, je suis grave à la bourre pour la fête. T'aurais pas des petits conseils pour acheter mon loulave, mon étrog, ou des astuces pour construire ma souka? Alors déjà, tu t'y prends un peu tard. Mais bon, t'inquiète, ça va le faire. Pour l'étrog, c'est très simple. Il ne faut pas qu'il y ait de points noirs sur la pointe ou sur la partie supérieure. Pour les étrogines qui ont un pitum, il ne faut pas qu'ils soient décapités. En gros, il faut faire attention à bien être méticuleux et ne pas croire les vendeurs sur parole. Regarde-moi ça, mon petit sadique. Je vais te vendre mon meilleur étrog de Bagdad. Viens, maman, je m'endors, Moi, je vis d'un pays de désert. Madame Chouga, le mieux, c'est de le faire vérifier par un rabbin. Pour le loulav, beaucoup vous préférez en prendre un avec le chocolat. Un loulav au chocolat? Mais non, c'est la fine membrane marron qui le garde bien fermé. Pour attacher le loulav, on met un adas à droite, un adas à gauche, le loulav au milieu, un adas sur le loulav, sur la partie colonne vertébrale, pas sur le chocolat. Ensuite, on met une arava à droite, une arava à gauche, on rassemble tout et on fait un nœud. Et pour la souka, par exemple une minus comme ça, c'est pas cachère? Eh bah détrompe-toi, parce qu'une souka de cette taille est cachère, faut que ça fasse minimum 1 mètre et maximum environ 10 mètres. Et pour le toit de la souka, le strat, il faut qu'il repose uniquement sur des matériaux naturels. Oh, wow, je sais même pas. Ok, merci frérot Khazak, faut que je fonce. Je vous souhaite Rak Sukkot Sameach Kehalacha. N'oubliez pas que Sukkot, c'est la fête de la Simcha. Alors mettez le paquet et abonnez-vous.